voilà, c'est reparti. Qu'est-ce qu'il y a, Maya? Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler du respect de soi. Alors, il y a plein d'exemples à donner. Je suis partie sur une idée particulière et voilà, chacun pourra mettre aussi ses commentaires par rapport au fait de se respecter soi-même. J'avais envie aussi de vous partager l'image qu'on peut avoir de soi à travers ce non-respect de soi. Ça peut être d'ordre physique. C'est un besoin d'avoir envie de changer qui nous sommes physiquement. Lorsqu'on ressent ce type d'émotion, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas véritablement la personne que nous sommes dans l'entièreté de ce que nous sommes, voilà, depuis notre création de la première cellule et puis de ce plan d'incarnation qu'on a eu dès le départ, et bien, quels que soient nos âges, on a tous plus ou moins traversé ce type d'émotion, c'est-à-dire que lorsque le corps évolue, lorsque le regard des autres aussi se porte sur nous et le regard que nous portons aussi sur le corps des autres, souvent, quand on est petit, ça peut commencer très tôt, hein, bien entendu. Voilà, on peut commencer aussi à se déprécier, à se faire du mal en se dévalorisant, en se disant que voilà, on est moins bien que les autres. Alors il y a deux fleurs que j'avais envie de citer en même temps. Il y a la fleur de la dépréciation de soi par rapport au regard de l'autre et par rapport au fait que je compare l'autre à mon corps et que je considère que lui est beaucoup mieux que moi. Et donc là, on va être sur du larch. Et sinon, je voulais évoquer aussi une autre fleur. Donc ça, c'est larch. Mais je vous la remettrai, je remettrai l'orthographe. Voilà, la fleur du mélèze, la fleur qui parle de la dévalorisation de soi en relation avec l'autre et dans la certitude d'échouer et d'être nul. Alors, échouer et être nul dans la notion de respect de soi. Bien sûr, on est loin de ces valeurs de respect de soi lorsqu'on a la certitude que cette comparaison est une jauge, est une évaluation qui nous permet de nous mettre une sorte de note et de barème par rapport aux autres. En fait, on ne devrait pas avoir cette notion d'équivalence par rapport aux compétences ou aux qualités de ceux qui nous entourent et de ceux peut-être des fois qu'on admire, puisque on considère qu'on on va les mettre dans une posture certainement plus haute que nous-mêmes, et peut-être voilà, plus valorisante, et on a tendance bien sûr à se déprécier et à se juger comme étant dans l'incapacité de pouvoir arriver à leur hauteur. Alors ça peut être aussi d'ordre physique bien sûr, parce que voilà, cette thématique de ce respect de soi, se respecter, c'est aussi respecter toutes les compétences et toutes les qualités que nous avons depuis d'innombrables années. Encore une fois, quels que soient nos âges, que ce soit tout petit, comme ressenti, préadolescent, adolescent, jeune homme, jeune femme, dans le monde du travail aussi, ou dans le monde aussi affectif, on a ce sentiment trop fort par moment de comparaison et de vouloir absolument être en concordance avec ce que l'autre a exprimé, puisqu'on a chacune nos compétences, nos qualités propres et qu'on ne devrait jamais finalement être dans ce système de comparaison, puisque si c'est une comparaison qui peut être inspirante, on pourrait considérer que c'est une émotion qui pourrait nous tirer vers le haut et nous engager à être monopoliser les ressources en nous pour évoluer, grandir, nous surpasser, nous lancer, oser, être plus créatif et nous faire confiance par rapport à ce qu'il se passe. Mais évidemment, quand on parle de fleurs de Bac, on parle bien sûr d'émotions limitantes. Et dans ce cas-là, en l'occurrence, si je prends cette fleur, c'est parce que justement j'ai trop tendance à me déprécier et à me comparer aux autres, mais justement pas dans un côté aspirant, mais dans un côté plutôt limitant, c'est-à-dire dans cette certitude que je n'arriverai jamais à la hauteur de qui que ce soit et qu'il vaut mieux que j'arrête tout de suite et je ne me lance même pas parce que de toute façon, c'est voué à l'échec dès le départ. Donc voilà, ce respect de soi passe aussi par cette notion de reconnecter aussi avec nos qualités, nos ressources, qui nous sommes, tout ce qu'on a pu mettre en place depuis voilà, X temps, tout dépend bien sûr du contexte, mais que ça sur lequel on peut se baser
pour pouvoir aussi juger et jauger de nos qualités et pas en termes de d'échecs ou de défauts qui nous empêcheraient de. Voilà, lançons-nous, allons-y sans repère de référence qui va être une sorte de, voilà, d'objectif des fois inatteignable aussi et qui nous met dans cette posture de difficulté, voire même de non-action, puisqu'il y a cette certitude pour Bach qui est chevillée au corps du « si je le fais, de toute façon, c'est voué à l'échec ». Donc voilà, libérons aussi notre esprit par rapport à ça, et respectons aussi qui nous sommes avec nos propres valeurs, nos propres ressources, nos propres capacités, puisqu'elles sont là. Elles sont juste à disposition et elles sont à la mesure et à la hauteur de qui nous sommes. Et on ne peut pas les comparer aux autres, puisque chacun a son parcours différent. Si je me compare à quelqu'un qui a déjà vécu dans plusieurs pays dans le monde et qui est plus polyglotte, et que je veux absolument apprendre le chinois, le russe et l'espagnol, et que je me compare à cette personne-là, je peux évidemment me tirer une balle dans le pied en me disant « de toute façon, ça ne sert à rien que j'apprenne les langues, parce que cette personne-là a déjà des compétences extraordinaires et qu'elle parle parfaitement bien ces trois langues. » Il n'y a pas de moyen de comparaison possible. En fait, je suis ce que je suis à l'instant où j'initie cette étude pour les langues et ça va le faire. Ça va le faire à la mesure de ce que je suis, sans moyen de pression aussi et de comparaison. Donc pour moi, ça participe aussi au respect de soi-même. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'une deuxième fleur, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est, alors, je ne la trouve plus si elle est là. Crab apple, parce que je parlais de dépréciation de soi. Alors là, c'est plus par rapport à l'image qu'on a de soi, mais aussi de quelque chose d'ordre physique qui pourrait m'engager à avoir envie de changer une partie de moi-même. Donc voilà, on est sur crab apple. Crab apple, c'est la fleur du pommier sauvage. Et elle s'adresse donc à toutes les personnes qui ont tendance à toujours avoir envie de voir le petit détail, la petite chose qui va nous gêner chacun. Donc ça peut être un petit bouton, bien sûr, parce que c'est ce qu'on va avoir en premier sur le visage. Alors c'est sûr que si j'ai une difficulté corporelle qui est camouflée derrière un vêtement, ça va être peut-être plus agréable à vivre au quotidien. Mais des fois, ça peut être très contraignant parce que l'été, je ne peux pas me mettre en maillot de bain comme je le souhaite, ou je ne peux pas mettre mes jambes nues parce que j'ai des difficultés avec les varices qui sont sur mes jambes. Ça peut être la forme de mon nez, les oreilles un peu décollées. Tout ce que Bach appelle les petits détails sur lesquels la personne qui a ce type de sentiment, donc crab apple, qui va faire le focus sur ces détails-là, mais qui pour la personne ne sont plus des détails, mais ce sont vraiment des montagnes. Et ça va empêcher ce respect de soi aussi, parce qu'on n'est plus dans l'acceptation de ce que nous sommes globalement, au point d'avoir envie, peut-être, pourquoi pas, de faire de la chirurgie esthétique, si c'est nécessaire. Alors, toujours, il faut mesurer aussi ce que vous entendez, parce que c'est évidemment, si j'ai subi un drame dans ma vie, un accident de voiture, et que mon visage est complètement cabossé, mon corps aussi, et que je dois nécessairement faire de la chirurgie plastique et esthétique pour pouvoir retrouver un corps, on n'est plus de cet ordre de crab apple. Alors si on l'est, là je parle de petits détails. Alors bien sûr que ce petit détail-là n'est pas un petit détail, c'est quelque chose de nécessaire aussi à la reconstruction aussi de l'estime de soi suite à un choc. Mais rien n'empêche aussi à la personne de prendre, pourquoi pas, du crab apple. Mais on va partir aussi sur tout ce que j'ai envie aussi de doter, de nettoyer. Crab apple, c'est vraiment la fleur de la purification, la fleur de ce qu'appelle Bach, un peu le nettoyage, tout ce qu'on aimerait retirer, ôter. Et souvent, on va attribuer des adjectifs très forts à notre rencontre, c'est-à-dire quelque chose qu'on va regarder. C'est pas nécessairement soi-même, mais souvent quand même. On va dire aussi que ça nous dégoûte, que c'est sale, qu'on a envie de le retirer, que c'est moche. Il y a cette notion de saleté et de non-propreté, on va dire de non-netteté, qui fait que la personne a vraiment envie de tout purifier pour retirer cette chose qui l'empêche en fait d'être complètement dans l'estime et dans le respect d'elle-même. Donc voilà, j'ai donné des détails comme ça, mais ça peut être une vergeture, ça peut être une cicatrice après une péridurale, ça peut être
la forme du corps en particulier, voilà, ça peut être tout type de choses, voilà, d'ordre physique, et ça va participer au dégoût de soi-même aussi, et donc à ce non-respect, puisque, alors c'est pour ça que il n'y a pas à la comparer avec l'arche qu'on a vu précédemment, mais des fois aussi cette dépréciation, elle peut aussi naître de cette comparaison aussi qui vient des fois de l'enfance ou de l'école ou de la fratrie ou des cousins, etc., tout de l'environnement dans lequel on a vécu, ou tout, des fois des injonctions aussi des parents. Et donc ça va participer aussi à la comparaison après et la dépréciation de soi avec le côté « il faut vraiment que je retire ça, il faut que je me fasse opérer, il faut que je refasse mon nez, il faut que je me fasse recoller mes oreilles, je n'aime pas mes mains, j'aime pas la forme de mon pied, je peux pas mettre des sandales parce que je déteste mes doigts de pied ». Et ça peut être, bien sûr, ça peut être très risible comme ça à entendre, mais des fois c'est une réelle souffrance aussi chez la personne qui ne supportera pas de pouvoir vivre au quotidien avec ce qu'elle estime, elle, être quelque chose d'énorme et qui l'empêche véritablement d'être en paix, dans le respect aussi d'elle-même, avec ben, voilà, comment ces cellules aussi se sont manifestées pour honorer ce corps, même s'il n'est pas apprécié de la personne, en fait. Et Bach parle aussi de cette âme qui aimerait pouvoir rester dans ce corps, et je pense que c'est important aussi de donner à notre âme la capacité aussi d'avoir envie de s'y sentir bien dans ce corps, même si a priori la texture de mes cheveux ne me plaît pas, la forme de mes yeux, je n'ai pas assez de lèvres charnues, ou au contraire j'ai des lèvres voilà, trop charnues peut-être, la forme de ma poitrine, la forme de mes cuisses, les poils aussi, tout ce qui va dégoûter, tout ce que j'ai envie de retirer, donc bien sûr les poils, changer aussi, voilà, tout type de forme physique. Après ça peut être aussi quelque chose de l'extérieur, hein, que je peux voir à l'extérieur et qui va aussi me dégoûter. Mais là je suis sur un chapitre entre guillemets de respect de soi. Donc j'avais envie de faire plus le focus de Crab Apple par rapport à soi, mais bien sûr par extension sur tout ce qui est propreté, saleté, netteté, dégoût, peut évidemment s'attribuer à l'extérieur, hein. Ça peut être des objets, des aliments que je n'ai pas envie de manger et d'ingérer parce qu'ils me dégoûtent, etc. Mais là je parle du respect de soi à l'égard de ce corps que j'ai et que j'aimerais bien sûr des fois changer et transformer. Alors la participation de cette fleur par rapport à l'émotionnel que je ressens va être dans une pacification du regard aussi que je porte sur moi ou sur ce détail qui prend évidemment beaucoup d'espace chez moi, mais pacification dans le sens où quand on fait la paix avec cette partie de son corps qui n'est pas conforme à l'image que j'aimerais, conforme dans le sens de netteté, de propreté, eh bien j'aurai un regard certainement plus détaché aussi et je serai moins à être toujours enclin à le regarder, à le critiquer, à avoir envie de le retirer. Et je serai peut-être plus aussi dans la bienveillance et l'accueil aussi de ce qu'il est, comme il est. C'est pareil, si j'ai une cicatrice, c'est pas parce que je vais prendre Crab Apple que la cicatrice va disparaître. Si je déteste la forme de mon nez ou de mes rides, ou de la tache de naissance que j'ai sur une partie du corps, sur les mains, etc., ou sur une pathologie cutanée qui prend beaucoup de place, c'est pas la fleur de Bach qui va traiter ça, mais par contre ça va traiter émotionnellement mon regard que je porte dessus. Et lorsque je suis dans la bienveillance à l'égard de ce regard, à l'égard de cette partie de moi, j'aurais plus nécessairement envie de le changer, peut-être que je serais juste dans l'accueil de ce qui est, avec ouverture, avec peut-être des fois même avec humour, et peut-être désacraliser le détail en remettant peut-être à sa juste place ce qu'il est, et peut-être bifurquer aussi son regard sur autre chose, parce que Bach dans ce texte aussi, quand il cite Crab Apple, il dit que cette personne, elle est tellement attachée à regarder ce détail-là, que des fois elle pourrait aussi passer à côté de quelque chose qui est des fois beaucoup plus important. Donc ça veut dire que ce regard que j'ai sur moi à cet instant-là, il est tellement monopolisé qu'à côté il peut y avoir peut-être alors spirituellement, affectivement, voilà, professionnellement autre chose aussi, mais je vais monopoliser toute mon attention dessus. Et en fait, le reste est à prendre aussi en considération.
c'est pas ce détail-là et le reste j'oublie en fait. C'est tout, tout est à prendre en même temps. Et quand on porte trop d'attention quelque chose sur quelque chose qui nous est qui nous limite en fait, qui nous hante, qui nous obsède aussi, on peut pas être disponible pour le reste. Et le reste existe en fait. C'est comme si on occultait une partie, toutes les parties de nous et qu'on ne faisait l'attention que sur celle-ci. Donc voilà ces deux fleurs. Après, en termes de respect de soi-même, je pensais aussi à Rockwater. Rockwater qui parle de cette fleur qui n'est pas une fleur de Bach, qui est une, de l'eau de roche. Alors c'est une fleur particulière puisqu'elle s'adresse à toutes celles qui ont envie d'être un exemple pour les autres, d'être parfait. Et de se comporter presque des fois comme un martyr, puisqu'elles vont manquer beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, beaucoup de souplesse pour obtenir exactement ce qu'elles, selon elles, leur objectif, leur idéal à atteindre. Et elles vont faire des fois beaucoup de sacrifices pour obtenir ce, cet objectif et cette, cette quête du soi parfait. Alors oui, le soi parfait, ça peut être des fois des injonctions aussi, encore une fois, qui viennent beaucoup de l'enfance, mais qui nécessairement, quand je parle de ça, attention, je ne dis pas que toutes les personnes qui ont cet objectif-là ont entendu nécessairement des parents soi parfait, parce que ça peut venir évidemment de la fratrie, ça peut venir de soi, enfin je dis quand je viens de la fratrie, c'est de l'environnement dans lequel l'enfant évolue, qui va devenir bien sûr l'adulte que nous sommes maintenant, mais ça peut être aussi là, le milieu scolaire, ça peut être dans la famille au sens large du terme. Ce ne sont pas nécessairement les frères aînés, les sœurs ou les parents qui ont dit « sois parfait ». L'enfant lui-même aussi, des fois, peut aussi prendre à bras-le-corps cette injonction personnelle, en réaction aussi, face à des fois des environnements complexes dans lesquels ils évoluent. Et donc, ils ont des fois aussi envie de prendre le contre-pied pour ne pas avoir à subir les mêmes remontrances que, par exemple, les frères ou les sœurs aînées. Et donc, dans ce soi parfait, c'est aussi une façon, quelquefois, de se libérer aussi de l'empreinte familiale en disant, voilà, moi, mon objectif, ce sera d'être comme ci, d'être comme ça. La vie, c'est comme ci, la vie, c'est comme ça, et je ferai tout pour y arriver. Et je m'octroierai donc peu de plaisir pour pouvoir atteindre exactement la perfection et cette quête que je dois obtenir, en fait. Donc, en termes de respect de soi, c'est magnifique de pouvoir avoir envie d'être un exemple pour les autres, mais il y a quand même une intention derrière. C'est-à-dire que ça n'est pas que pour soi, c'est surtout pour montrer l'exemple aux autres que c'est, puisque Bach a placé cette fleur-là dans cette famille qui s'appelle donc la préoccupation excessive pour les autres ou pour le bien-être d'autrui, ça dépend des traductions. Est-ce qu'on doit absolument être digne, parfait, irréprochable ? Pour les autres, d'abord peut-être pour soi en priorité, mais ne pas nécessairement avoir cette quête derrière de vouloir absolument montrer aux autres que c'est l'unique manière de vivre dans la vie ou d'obtenir un diplôme ou d'avoir des résultats sportifs ou de se marier ou de voilà, d'avoir une profession particulière, professionnelle, enfin voilà, ou des relations, parce que la quête de perfection, elle est sur tous les plans, en fait. Hein. Donc, obtenir des satisfactions en étant au top de ce que l'on aimerait projeter de soi, oui, pourquoi pas, avec plus de souplesse, beaucoup plus d'humour aussi, quelquefois. Et puis, des fois, se lâcher un peu la bride hein, et pas être tout le temps au taquet de cette perfection et de ces objectifs qui sont souvent... quand on parle de perfection, on parle souvent de quelque chose qui est de l'ordre de l'inatteignable, presque irréaliste, en fait. Hein. Et puis, même si c'est réaliste, tant que ça le soit, c'est au détriment de beaucoup de sacrifices, beaucoup de souffrances aussi et beaucoup de dureté à l'égard de soi-même. Donc, quand on voit les sportifs de haut niveau, on peut les admirer parce qu'effectivement,
ils sont dans cette quête effectivement de perfection, hein, puisque quand on voit les performances physiques et corporelles, c'est hallucinant. Mais il y a des risques, évidemment, c'est de passer à côté aussi des plaisirs aussi de la vie du quotidien. Et c'est sûr qu'on ne peut pas obtenir l'un avec l'autre, mais on peut certainement aussi s'assouplir et être un peu plus doux avec soi-même, dans le respect de soi-même, pour obtenir justement cette quête, j'espère, atteignable pour chacun. Voilà, en tout cas, se détacher aussi de ce besoin absolu d'être un exemple pour les autres, déjà vivre pour soi. C'est peut-être déjà plus respectueux aussi que de se donner cette injonction inconsciente aussi d'être toujours dans la représentation pour pouvoir aussi être un exemple parfait pour les autres. Voilà, je vous ai cité trois fleurs, donc Tchlarch, donc Crabapple et Rockwater pour le respect de soi. Alors il y en a d'autres que j'aborderai parce que je ferai d'autres vidéos, mais je ne veux pas en faire des trop longues, donc là 20 minutes ça me paraît bien et donc voilà, et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne et puis mettre un petit clic la petite clochette qui vous signalera les prochaines vidéos qui seront en lien, voilà, en tout cas qui apparaîtront sur YouTube, et bien donc à bientôt, la prochaine, au revoir.